Yo, on continue dans la suite de notre projet. Aujourd'hui, on va connecter notre site web à un autorépondeur. On va voir comment est-ce qu'on va faire tout ça avec ce que l'on a déjà mis en place. Si tu n'as pas suivi les vidéos précédentes, je t'invite dans un premier temps à t'abonner à la chaîne parce que du coup, je vais en faire plusieurs à la suite. Et concrètement, ça va être toute une, une série de vidéos dans le but de faire le pré-lancement d'une application. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour pouvoir la voir à la suite. Et si tu n'as pas vu les vidéos précédentes, il y a une playlist qui est réservée à ça, qui va être le développement d'une application mobile. Je te laisserai chercher sur la chaîne. Donc dans ce nouvel épisode, dans cette nouvelle euh, vidéo, on va ensemble connecter notre formulaire de capture de données de notre utilisateur de telle sorte à ce qu'il s'enregistre dans, euh, bah, dans une mailing list pour pouvoir le relancer euh, quand on va sortir notre application. Alors, si je te fais juste un petit rappel parce que j'ai fait des modifications par rapport à la dernière fois, là tu vas me dire wow, ouais, le site il est trop beau. Bon, il est ce qu'il est quoi. Euh, mais concrètement, euh, voilà, l'idée euh, ça a été de développer donc un site web et notre Notamment, on a mis en place donc, un petit titre, une petite, une petite image de fond. Ce n'était pas du tout ce qui était prévu au départ, mais tu vois, concrètement, j'ai pu travailler là-dessus. Et notamment, donc voilà, on se retrouve avec quelque chose qui commence à ressembler à une petite landing page de, assez sympathique. Tu vois. Donc l'idée, ça va être aujourd'hui de pouvoir connecter cette, ce formulaire-là que tu vois ici à un autorépondeur comme par exemple MailChimp, qui est un autorépondeur parmi tant d'autres, Taille Weber, Response. Tu en as plein en fait. L'objectif de ce type d'outil, c'est tout simplement de pouvoir envoyer des emails, soit de façon complètement automatique, soit euh, bah, soit des emails euh, lambda, c'est-à-dire que tu pourrais envoyer à ton audience de temps en temps pour faire une actu, une news ou quoi que ce soit. Donc là, l'idée, ça va être justement de pouvoir mettre en place ce type de processus et comment faire en sorte de connecter notre service actuel, justement notre site web actuel à Mailchimp. Alors, nous, on utilise. Euh, on utilise Utilise SriftTime, euh, donc si tu connais pas time tu auras un lien en dessous de la vidéo, je te laisserai aller regarder euh, derrière ce que tu peux faire avec. Et euh, notamment on a créé un formulaire spécifique, donc le formulaire que tu vois ici, c'est exactement le même formulaire qui se trouve à cet endroit-là, on l'a intégré dans notre, dans notre template, voilà je vais y arriver. Pour pouvoir justement faire en sorte que la personne s'inscrive. Donc là, j'ai euh, j'ai prénom de la personne, numéro de mobile et son adresse email principale. On va le modifier un petit peu, on va le customiser et en même temps, on va se connecter à un nouveau service. Et ce qui se trouve, c'est que là, actuellement, ce service-là, euh, il n'est pas encore présent dedans. Donc ce qu'on va faire, c'est que euh, bah, tout simplement, on va aller dans Go to the API dashboard. Donc ça va ouvrir une nouvelle petite fenêtre euh, qui va nous permettre de euh, pouvoir ajouter un nouveau service donc tu vois il y en a pas mal hein. moi j'ai alors les services que j'ai utilisé en auto-répondeur c'est euh, Mailchimp et ActiveCampaign c'est les deux grands services que j'ai pu tester euh, ActiveCampaign est plutôt pas mal sur un autre euh, sur un autre point de vue c'est que quand tu fais de l'automatisation tu peux faire des séquences tu peux faire des, euh, des, des conditions euh, et notamment c'est très graphique c'est à dire que bah, tu peux dire bah, voilà si la personne a cliqué sur tel lien euh, dans mon email dans ces cas-là je vais lui envoyer tel autre email et euh, s'il n'a pas fait ça je vais lui envoyer autre chose bon tu peux le faire avec euh, tu peux le faire avec euh, euh, Mailchimp aussi mais c'est beaucoup moins graphique que ce que ActiveCampaign peut proposer tu vois donc nous bon, on a Mailchimp donc on va utiliser Mailchimp et puis il faut aussi se dire que euh, ActiveCampaign est plus cher que Mailchimp euh, donc euh, bah, pour le coup euh, voilà après c'est euh, en fonction de chacun donc là tu as une API qui euh, à mettre euh, en place dedans donc moi je ne vais pas te montrer ton API qui d'accord enfin euh, la mienne tout du moins pas la tienne mais euh, concrètement euh, je vais alors je ne sais jamais où est-ce qu'elle se trouve cette clé d'API euh, notamment ça doit être dans account si je me trompe pas donc tu vas euh, la retrouver ici euh, sur euh, Extra et API Key. Donc je t'invite à cliquer sur ce lien-là, à créer ta première clé d'API. Je ne vais pas te la montrer parce que j'ai ma clé euh, qui se trouve juste derrière. Donc je ne vais pas te montrer non plus euh, mes différentes clés. Et on va intégrer ça, d'accord Cette chaîne de caractères. Tu vas récupérer une chaîne de caractères que tu vas pouvoir aller mettre dans le bon onglet, voilà. Ici, donc tu vas faire un contrôle V à cet endroit-là et tu vas faire connect après. Donc moi je coupe la vidéo, je fais ma petite configuration et puis on se retrouve juste après. Voilà, on a euh, donc ce qui s'est passé, c'est qu'une fois que tu Cliquer sur connexion, il s'est connecté au service et en même temps il a fermé la page. Et là tu te retrouves en fait avec donc email euh, de base et main chip, d'accord. Donc tu cliques sur main chip, ensuite tu vas aller chercher ton audience qui t'intéresse. Donc là je n'ai pas encore créé mon audience, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va la créer maintenant. Donc pour créer une audience, tu vas dans euh, bah tu vas dans audience, tu vas dans voir toutes les audiences et puis à cet endroit là tu vas arriver sur créer une audience et il va te proposer ce formulaire là. Donc nous ce qu'on va faire, eh bien on va créer une audience qui va s'appeler euh, Attrape. L'audience de attrap.io euh, default adresse email on n'a en pas encore créé mais prochainement ça sera par exemple contact alors non euh, Nicolas alors pourquoi mettre euh, je te attends je finis mon truc là attrape.io, voilà euh, et default name Nicolas de attrap .io. .io. Alors, je vais mettre un espace à chaque fois, mais il n'y en aura pas. Et je pense que je peux mettre un petit arrobase ici. Voilà, tu vois, toc. Euh... Donc, voilà. Ok. Donc là, j'ai créé le nom de mon audience. Donc, c'est un nom standard. Hein. Tu mets ce que tu veux ici dedans. Ensuite, euh, là, concrètement, alors pourquoi pas mettre contact arrobase ou quoi que ce soit euh, Ce qu'il faut bien se dire, c'est que les contacts arrobase adresse email sont souvent positionnés dans les emails de commerce. Enfin, dans les emails commerciaux, euh, par exemple, c'est à dire que quand tu vas sur Gmail, euh, tu vas te retrouver avec plusieurs onglets et ça va être catégorisé à différents endroits. Et concrètement, euh, si tu mets contact, arrobas quelque chose, bah, tu vas être. Positionner plus facilement. Après, je te dis pas que le fait de mettre un prénom devant, euh, tu vas pas être catégorisé là-dedans, mais concrètement, tu vas être positionné plus facilement euh, dans, euh, bah, dans, dans, la catégorie, euh, dans la catégorie commerciale, prospection et tout ça. Alors que le fait de mettre un nom et un prénom devant, euh, ça peut t'aider à avoir une meilleure visibilité plus tard quand tu vas envoyer des emails. Ensuite, euh, on continue, donc là, concrètement, l'organisation, euh, ça va être attrape.io, l'adresse, je ne vais pas la changer, toc, 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 et le reste, on n'y touche rien, boum, et je fais sauvegarder. Alors, il veut pas, il veut pas pourquoi Parce qu'il ne veut pas le petit arrobase, bon voilà, je voulais faire un petit style, euh, mais concrètement, il voudra pas. Donc voilà, c'est parti, save, et hop là, je ne veux pas enable le double opt-in donc uh, please uh, check a try uh, again ah oui il faut mettre une petite description uh, effectivement donc uh, concrètement ça va être uh, um, audience prévue, uh, prévue 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 uh, pour la promotion de l'application attrape .io. Voilà. Bon, écoute, hein, c'est une description toute bateau euh, qui ne sert strictement à rien. Mais écoute, s'ils veulent une audience, voilà. Et nous avons notre audience avec zéro contact, zéro euh, subscriber dans notre mailing list. Donc, on va pouvoir commencer à essayer de la remplir un petit peu, mais surtout d'aller se connecter derrière. Donc, on va retourner sur notre petit formulaire qui se trouve ici. Sauf que bah, il va toujours pas le trouver. Donc, on va faire refresh juste à côté. Boom. Une fois qu'il a refresh, je peux récupérer attrape.io. C'est parti. Donc, au niveau des groupes, là, il n'y en a pas. Euh, C'est pas. Tant pis. Enfin, tout du moins, je ne je vais, vais pas créer de groupe. Euh, C'est du single opt-in, d'accord Et en même temps, je vais lui ajouter un tag. Donc, là, concrètement, euh, euh, je retourne ici. Pour ajouter un tag, euh, ça va être dans Audience. Dans Audience, dans Audience, tu cliques sur ton zéro ici. Ensuite, tu as Manage Contact. Et à cet endroit-là, tu as Tag. Et hop, c'est parti, on va créer un petit tag. Donc là, concrètement, create tag. On va mettre launch. Hop, create. Et on va retourner dans notre petit formulaire qui va bien. Et là, je vais ajouter mon petit tag. Alors, pourquoi créer un tag Ça, c'est très très important, les tags. Et c'est une force que tu vas pouvoir mettre en place dans ta stratégie de communication avec les personnes qui vont te suivre par la suite sur ton application, toi perso. C'est-à-dire que tu vas pouvoir différencier les différentes personnes qui vont s'enregistrer sur tes différents formulaires. Ici, je suis sur le formulaire de lancement. D'accord Et notamment, tu vois, je suis sur le formulaire de lancement. Je pourrais mettre un deuxième tag, notamment, c'est-à-dire un formulaire complet ou formulaire autre chose. Enfin bref, je vais identifier les personnes qui vont arriver sur ce formulaire-là, euh, notamment... Ça peut être aussi euh, un tag associé à une euh, comment dire à une landing page spécifique de telle sorte à dire ok ce prospect là est venu de cette landing page là, euh, celui-ci de la landing page numéro 2, etc. etc. Donc plus tard il y aura effectivement euh, une série de tags euh, qui vont me permettre de différencier les personnes qui sont arrivées sur telle ou telle page. Ce qui va me permettre d'avoir aussi une façon de discuter avec ces gens-là, une façon de pouvoir personnaliser les messages quand je vais les co contacter, euh, qui sera bien spécifique, c'est-à-dire que la personne va se rappeler, ah oui, j'étais sur cette page-là, boum, enfin, il se, rappelle, il se rappellera peut-être pas, mais concrètement, voilà, il va pouvoir euh, retrouver un petit peu une espèce, enfin, tu vas pouvoir mettre en place une espèce de cohérence entre le parcours que l'utilisateur a pu faire pour pouvoir accéder à ta page. Donc là, ce que l'on vient de faire, c'est qu'on vient de réussir de connecter euh, notre service, je vais enregistrer, euh, par la même occasion, ce que je vais faire, euh, CTRL R, boum, je vais en profiter pour faire juste un petit contrôle de code à mon niveau pour éviter de faire planter cette vidéo. C'est-à-dire que si ça n'a pas bien été enregistré, boum, ici on va là. donne. donc c'est un... Ok d'accord, autofil. Hop là, on s'en fout. Moi, ce que je recherche, en même temps, je peux faire une petite recherche de CTRL F. Et launch voilà donc j'ai bien mon tag qui a été mis dans les champs cachés petite astuce en termes de grow fucking que tu peux mettre en place à cet endroit là tu peux mettre des champs cachés tout plein de champs cachés dans ce formulaire là et notamment quand tu rediriges une personne vers cette page là spécifique tu peux rajouter des informations secrètes entre guillemets donc là concrètement euh, bah tu vas pouvoir euh, tu vas pouvoir t'amuser euh, con... enfin, ce qu'on peut faire par exemple dans de la B testing notamment quand tu crées des nouvelles pages tu peux ajouter dynamiquement des champs supplémentaires des tags supplémentaires de telle sorte à ce que euh, bah, tu puisses dire voilà c'est tel landing page euh, qui va euh, comment dire qui va envoyer ce formulaire là c'est tel landing page X Y ou Z euh, qui a permis de récupérer ce euh, cette personne là donc concrètement tu vas pouvoir un petit peu tricher ajouter des choses et puis pouvoir se dire ok donc celle-ci euh, si tu fais pas de la b testing notamment par exemple tu vois là euh, pour donner plus de précision on utilise Strifteam si toi t'as pas euh, t'as pas envie d'acheter Strifteam derrière parce que bah voilà ça, ça coûte euh, ça, ça peut coûter un bras pour toi je sais pas enfin voilà chacun vaut midi à sa porte euh, concrètement si tu veux utiliser notamment euh, par exemple euh, Elementor, il me semble que tu peux ajouter des tags dans les formulaires bon bah tu, tu vas tu vas pouvoir en fin de compte rajouter ces tags supplémentaires derrière de telle sorte euh, à le faire dynamiquement sur ta landing page et créer plusieurs landing pages différentes et concrètement tu vas avoir différents hashtags associés à ces différentes landing pages et tu vas pouvoir tricher un petit peu comme ça tu peux faire plein d'autres choses hein. ça peut être de récupérer euh, la provenance de l'utilisateur ça peut être plein de choses tout tout plein d'accord donc là je te Laisserai libre à ton imagination. Puis je ne vais pas tout te donner non plus dans cette vidéo en termes de go-fucking. Je te ferai peut-être des vidéos précises là-dessus, d'accord Donc là, hop, ça c'est bon. On a bien notre hashtag. Donc ce que je vais faire, bah, c'est que je vais m'enregistrer aussi simplement que ça. Je vais mettre Nicolas, par exemple, parce que c'est un peu mon prénom. Alors, boom, toc. Nicolas, boum, c'est parti. Mon numéro de mobile, allez, c'est parti. Euh, on, va mettre, euh, on va mettre 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 5 fois. Voilà. Euh, et puis, mon adresse email principale, eh bien, ça va être morisset.nicolasaltgroupefree.fr. Pas la peine de m'écrire sur cette adresse mail-là, ça ne fonctionnera pas. Euh, enfin, ça fonctionnera, mais je ne la regarde pas. Euh, et donc, bim, s'inscrire. S'inscrire, s'inscrire, s'inscrire. Succès. Alors là, pour l'instant, j'ai un message de succès en haut. On va voir après ce que ça va donner. Donc là, j'ai normalement un nouveau contact qui vient d'être enregistré. Et, euh, et donc euh, voilà, j'ai un nouveau contact. Ce nouveau contact, on va aller voir qui c'est. Hasard, c'est moi. Donc Nicolas, le numéro de téléphone, je l'ai bien. L'adresse email, je l'ai bien. Et j'ai bien associé le hashtag derrière qui va avec, tu vois. Donc c'est plutôt euh, pas mal là-dessus euh, pour pouvoir justement lancer euh, ton application, enfin pour pouvoir lancer, pour pouvoir associer euh, ton application à un hashtag et notamment l'enregistrement euh, à un hashtag. Donc ça, c'est une première chose. Maintenant, euh, ce qui me dérange un petit peu, tu vois, c'est d'avoir le fameux petit succès en haut, tout pas beau, tout dégueulasse et tout ça. Euh, donc on va le modifier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier autre chose, euh, notamment dans Advanced, tu Edit Error, tu vois. Donc tu as une petite page supplémentaire, notamment... Euh, entre, et entre un email correct euh, voilà ensuite le mot de passe on s'en fout le password on s'en fout euh, le tous les champs sont obligatoires hop là voilà c'est parti je save tout ça comme ça du coup j'aurais personnalisé mes petits messages euh, je vais quand même vérifier si tous mes champs sont bien obligatoires euh, éditer, allez, bim, ça c'est requis, ok, d'accord, boum, ça euh, c'est requis, et de toute façon l'adresse email par défaut est requis. Donc là, mon formulaire est plutôt pas mal si le gars euh, oublie de renseigner des, euh, des éléments dedans, tu vois, on va cliquer dessus. Pouf, euh, concrètement, tous les champs sont obligatoires, ça tombe bien, euh, c'est ce qu'on vient de décrire et tout ça. Et euh, entre un email correct, donc pour le coup, c'est aussi le message qui est euh, associé. Bon, là, je ne vais pas faire de customisation au niveau du message parce que j'en vois pas trop l'intérêt. Par contre, euh, ce qu'on va faire, ce qui me pose problème, c'est justement ce fameux petit message quand tu as le euh, succès en haut. Alors, on pourrait personnaliser le message de succès, notamment ici. Tu vois, tu as euh, plusieurs possibilités. En termes de possibilités, ça peut être le petit message, show success notification, ou de switcher un autre état derrière, donc tu peux créer plusieurs états sur ces formulaires-là, ou de rediriger la personne vers une nouvelle page. Et moi, j'ai plus tendance à rediriger la personne vers une nouvelle page, parce que dans ma stratégie, plus tard, je vais lui demander autre chose. Je vais aller beaucoup plus loin dans cette stratégie-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner sur notre... Le gestionnaire de pages sous WordPress. Je vais créer une nouvelle page. On ne va pas la customiser à 100%, mais notamment, euh, on va faire tac toc, toc, thanks. Hop, voilà. Euh, je vais la publier. Hop, publish. C'est parti. Euh... Voir la page. Allez, c'est parti. On va regarder la page. Pour l'instant, elle ressemble strictement à rien. On va l'éditer dans time à cet endroit-là. Pouc et on va tout péter. Alors t'as vu, je sais pas si tu as suivi les vidéos précédentes, mais là j'ai un nouveau thème. Euh complet tu vois ici à cet endroit là euh, c'est un nouveau thème qui m'est proposé par SriftM aussi SriftTame propose aussi des thèmes euh, qui, qui, qui sont intégrés directement euh, dans leur suite d'accord donc tu peux utiliser aussi leur thème et ce qui permet en même temps d'utiliser les outils de Sriftm dans ces thèmes là euh, donc euh, c'est plutôt c'est plutôt sympathique moi ce que je vais faire c'est que je vais faire mon gros cochon parce que je vais tout personnaliser euh, où est-ce qu'elle est passée ma petite page la blank page Toc, 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 voilà, pouf, toc, c'est parti. On efface tout, on casse tout euh, sur notre page. Euh, pour l'instant, je vais faire quelque chose de très simple. Ce qui va être, m'a euh, déjà supprimé le titre. Je vais aller ajouter hop, un background. Je vais ajouter effectivement re, mon titre à l'intérieur. Ensuite, je vais mettre fait. Félicitations, hop, des petits clap à côté, je trouve ça joli, c'est mignon, voilà, c'est beau. On va mettre ça en H1. Je vais centrer, je vais le mettre en capital. Euh, on va aussi changer la police d'écriture. Alors pour changer la police d'écriture, on retourne ici. On va dans Global, hop. Alors ça c'est des choses que j'ai déjà faites, donc j'y vais assez rapidement, d'accord, si ça va un peu trop vite pour toi, encore une fois, je t'invite à aller faire un petit tour sur les autres tutos. Hop, include, apply close voilà euh, ici je vais le mettre en bold et puis euh, en même temps bon pour l'instant je vais pas personnaliser cette page là c'est pas l'intérêt de ce tuto par contre euh, match 8 screen et puis en même temps boum voilà toc euh, la personne euh, j'ai ma petite page, j'ai ma petite page et maintenant je vais rediriger vers cette page là euh, quand les personnes vont arriver. Donc comme elle est normalement publiée, je vais pouvoir retourner dans mon formulaire. Ce que je vais faire c'est que je vais rafraîchir la page parce que euh, il y a l'autocomplétion qui fonctionne et comme je viens d'ajouter cette nouvelle page euh, dans ma liste, euh, le système ne le prend pas en compte tout de suite. Donc là hop, je retourne ici. Et si je fais 5, normalement voilà, j'ai ma petite page 5 qui va bien. Euh, save, jusque-là ça roule. Je vais aller sur la nouvelle page à cet endroit-là et puis on va renseigner les informations. Nicolas, hop là, Nicolas, euh, ensuite Nicolas alt group. .fr et mon numéro de téléphone: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je m'inscris. Alors, email doit être correct. Pourquoi Qu'est-ce que j'ai qu'est ce que, j Qu -ce que j Ah, bah ben non, en même temps, si je fais les choses à l'envers, on va pas y arriver. Hein. Toc. Hop. Et voilà. Hop, c'est parti. Et là, boum On va être. Rediriger vers une nouvelle page. Pourquoi j'ai fait une nouvelle page dans mon système bah, tout simplement parce que ça va me servir quand on va commencer à intégrer Facebook euh, dans notre euh, dans notre dans notre stratégie et notamment d'intégrer le pixel de Facebook. Tu vois. Euh, et concrètement, quand la personne va arriver sur cette page-là, je vais la considérer comme un lead, comme un prospect. Euh, ce qui va me permettre de mettre en place des campagnes publicitaires aussi derrière, de façon à pouvoir justement euh, bah, proposer, euh, proposer des publicités qui vont être ciblées euh, sur des personnes type donc là concrètement euh, quand elle va arriver ici elle sera enregistrée chez Facebook comme une personne euh, ayant été considérée comme un lead comme un prospect voilà euh, c'est euh, fini pour cette partie là tu vois que on est plutôt euh, pas mal on commence à avoir un petit truc qui euh, à mon sens commence à être sympa il y a juste un petit problème avant de finir cette vidéo c'est ça ça c'est dégueu ça c'est pas propre ça c'est voilà l'index.ph. 5 on commence à avoir des petits problèmes euh, au niveau du de l'url rewriting et ce qu'on va faire c'est qu'on va régler ça tout de suite. Je l'avais pas fait dans les vidéos précédentes parce que j'y avais pas pensé, mais maintenant que euh, on y est, qu'on a ce problème là, on va pouvoir améliorer ce petit point là. Donc pour euh, avoir des urls propres, c'est à dire que concrètement ce que j'entends par une url propre c'est avoir un euh, slash euh, et non pas euh, index php euh, slash par exemple euh, slash 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 bas uh, 5 tu vois euh, je préfère avoir une URL qui va ressembler à ça hop, 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 voilà donc euh, avoir du euh, quelque chose de propre tu vois ne pas index.php ou tout, tout simplement avoir index.php euh, tu vois tu vas avoir aussi sous, sous WordPress du index.php Point d'interrogation P est égal à 123 qui correspondrait à un article X ou Y. J'aimerais bien avoir une belle URL. Donc pour travailler ça, c'est très très simple. Tu vas dans tes réglages, tu vas dans. Alors c'est dans lecture si je me trompe. Non, c'est dans Permalien, pardon. C'est dans Permalien, ici à cet endroit là. Et là tu vois qu'on a une structure de index.php, years, months, day, euh, et puis l'ID du post, euh, oui, du, pas le post name, donc le, le slug. Nous ce qui va nous intéresser c'est d'avoir ce type de structure là. Donc pouc, je vais cliquer ici, je vais enregistrer la modification. Et si on retourne sur notre landing page, qui va être la précédente, donc, CTRL R. Je vais renseigner à nouveau mes petites données. Donc euh, hop là, Nicolas, boum, le numéro de téléphone, c'est celui-ci. Ça y est, il commence à comprendre. Nicolas.mauricet.fr. Hop, je m'enregistre et normalement je devrais être dirigé vers une belle page. Euh, voilà, et donc du coup, tu vois, maintenant j'ai un slash 5 euh, et non pas euh, un slash index.php slash 5, ce qui est quand même beaucoup moins beau, beaucoup moins sexy. Et d'un point de vue SEO, d'un point de vue référencement naturel, quand tu vas écrire des articles maintenant, euh, ça sera le slug. Euh, donc le slug, tu le retrouves ici, tu vois. Quand tu vas dans une page, euh, hop là, je vais dans modifier la page à cet endroit-là, euh, le slug dans, dans WordPress, tu vas le retrouver ici. Là, tu as le titre. Et ce que fait automatiquement, c'est que WordPress reprend le titre euh, ici et le slugify, c'est-à-dire il va euh, le mettre en minuscule, il va supprimer tous les accents, il va remplacer tous les espaces par des tirets euh, ou tous les caractères du... spéciaux par les tirets du 6, tu vois. Et il va te faire une belle URL. Après, euh, derrière, bah, tu as des stratégies en SEO qui sont de supprimer les mots un peu euh, morts comme euh, « je »,« tu »,« il »,« l'allait », etc., etc., de façon à créer un beau slug, euh, une belle URL euh, référençable par Google en ne mettant que les mots clés. Donc voilà, bon ici dans notre cas tu vois que on n'a pas, pas de comment dire de, de, de spécificité supplémentaire, D'accord, en termes de SEO, j'ai volontairement pas encore installé Yoast SEO. Donc, Yoast SEO, c'est un plugin que tu peux installer toi, de ton côté si tu le veux pour pouvoir justement euh, optimiser le référencement de ton site web. Moi, dans un premier temps, le référencement, je m'entends pas un petit peu parce que je suis pas encore dans euh, enfin, tout du moins, ce, ce, ce type d'installation, je m'entends pas un petit peu euh, parce que je suis pas encore dans une stratégie de référencer ce site web là. D'accord, je le ferai plus tard, euh, très prochainement dans les, des, des vidéos je t'expliquerai tout ça euh, mais concrètement je le ferai plus tard pour l'instant ma stratégie c'est d'attirer du trafic à partir des réseaux sociaux et c'est tout donc voilà pour cette vidéo dans la prochaine vidéo qu'est-ce qu'on va faire attends bouge pas tu vois j'ai un petit euh, j'ai ma petite gruge à côté dans la prochaine vidéo on va créer notre page Facebook on va commencer à mettre en place la stratégie derrière avec Facebook moi entre temps bah, je vais continuer à customiser un petit peu euh, cette petite page euh, 5 parce que j'ai envie de mettre d'autres petites choses euh, supplémentaires dessus euh, on va intégrer Facebook prochainement donc bah hésite pas à t'abonner à cette chaîne là si tu veux en savoir plus comment est-ce qu'on va faire tout ça ce qu'on va mettre en place comme stratégie de façon à pouvoir ne rien oublier enfin tout bien louper dans les prochains, dans les prochaines vidéos sur ce je te dis à plus tard ciao bye